Yo tout le monde, c'est Strigladon, donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment fonctionnent les caps, alors comment les avoir, comment les acheter, comment les utiliser. Alors en fait c'est assez simple, c'est même très basique en fait, mais j'ai fait un système sur le site du coup, pour que ce soit assez simple à utiliser. Et je vais vous expliquer du coup quel est le prix des caps, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut avoir des caps gratuitement, est-ce que c'est possible d'avoir toutes les caps gratuitement, est-ce que c'est possible d'avoir... De payer des caps, voilà, je vais répondre à toutes les questions et vous montrer comment faire. Alors déjà, première réponse à vous donner, enfin première question que je vais répondre, c'est est-ce que les caps sont gratuites? Alors oui et non. Alors en fait oui, parce que en jeu vous allez avoir des succès, c'est-à-dire qu'en faisant des kills en vous connectant ou quand j'ajouterai des succès, et ben vous pouvez gagner ce qu'on appelle des Daily Coins. Alors 200 Daily Coins égale environ 1€, donc 1€ égale 200 Daily Coins, voilà. Et par exemple, quand vous allez lancer votre jeu pour la première fois, vous allez avoir un succès déjà, et ça va vous donner 20 Daily Coins gratuitement. Donc pour avoir débloqué le succès, connexion la première fois sur le Daily Mode. Donc voilà, déjà de base, tout le monde a 20 Daily Coins parce qu'ils sont connectés avec le Daily Mode la première fois. Ensuite, par exemple, en faisant 50 kills, vous gagnez, il me semble, 10 Daily Coins. En faisant 150, vous en avez gagné 15. Mais c'est pas genre une augmentation de 5, hein, c'est une augmentation de 15. Hein, c'est-à-dire que c'est, à chaque fois, c'est plus 15. Donc au final, quand vous faites 150 kills, vous avez 25. Donc ça fait les 10 du premier succès, plus les 15 de deuxième, donc ça fait 25. Plus les 20 du début, donc ça fait 45. Donc au bout de 150 kills, vous avez 45 Daily Coins si vous avez rien acheté. Alors voilà, donc après ça continue comme ça. Donc je vais juste du coup une mute sur PS. Alors, je disais, donc voilà, c'est comme ça va fonctionner sur, pour avoir des Daily Coins. Ou alors si vous avez la flemme d'attendre, parce que ça va prendre beaucoup de temps si vous voulez des bonnes caps. Parce que après ça fait 150, puis après ça passe à 250, 500, 1000. Enfin, après ça monte dans des trucs énormes. Après ça devient très difficile d'en avoir. Donc voilà, c'est pas super facile d'en avoir. Et voilà. Donc maintenant, comment faire? Donc vous allez sur le site pour en acheter une ou pour du coup juste se connecter. Alors vous allez cliquer sur connexion. Votre mot de passe, vous allez marquer faire je ne suis pas un robot. Je vais faire connexion. Du coup là ça me dit bonjour Strigladon. Ça me dit du coup vous avez actuellement 1552. Bon moi je me suis give hein, les Daily Coins hein. Normalement c'est quasiment possible sans avoir payé d'heure 1052. Donc voilà. Et ça me dit en dessous, du coup c'est une petite information supplémentaire, vous avez fait 27 kills avec le Daily Mode. Donc là j'ai pas encore eu de succès avec le Daily Mode en faisant des kills. Donc là je suis à 27. Au bout de 50 j'aurai un petit succès. Et ça me dit que je suis à la position 456. Alors aussi un petit truc du coup, je suis gentil, c'est que pour les 3 premiers, chaque fin de semaine, je vous offre une cape. Donc à la fin de chaque semaine, je vérifie déjà si c'est pas des tricheurs, qui sont pas de spawn kill ou des conneries du genre. Et ensuite je leur give une cape aux 3 premiers. Je leur give des Daily Coins pour qu'après s'achètent une cape. Donc ensuite on arrive ici, on peut s'ajouter du coup des Daily Coins ici avec des D-Pass. Donc on n'accepte pas encore PayPal, mais on va sûrement l'accepter plus tard. Donc pour ceux qui veulent payer via PayPal, ce sera pour plus tard. Donc pour l'instant on peut déjà payer via NeoSurf, Internet Plus, SMS ou AudioTel. Donc vous pouvez voir du coup que environ 1€ est égal à... Oula. Il y a une erreur dans les prix là. Alors, il faudrait que je règle ça. Mais en fait, normalement. Ah non, je suis bête, non. Vous avez raison. 1€ égale 100 Daily Coins. Je dis de la merde. 1€ égale 100 Daily Coins environ. Et du coup, bah voilà. Ça vous donne ça. En SMS, du coup, c'est pareil. C'est la même prix. Ah oui, je comprends en fait. C'est juste les taxes en plus. C'est pas ma... C'est bien pas de moi en fait. C'est les taxes en plus qui font ça. Sinon, sans taxes, c'est. C'est pas pareil. Alors, du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour. C'est pour ça. Et ici, du coup, si vous voulez changer votre pseudo, imaginez, vous avez, je sais pas moi, vous avez changé votre pseudo Minecraft, par exemple, moi je m'appelle StrigladonYT sur Minecraft. Et bah, du coup, pour que ça fonctionne, parce que dès que je vais me connecter, du coup, ça me dit que votre mot de passe fonctionne pas, j'ai rien, pourquoi? Parce que du coup, vous avez changé votre pseudo, du coup, faites ça, faites changer votre pseudo, et du coup, voilà. Donc, vous pouvez seulement changer deux fois par mois, donc voilà, faites attention. Ensuite, du coup, maintenant, on va aller dans boutique. Et là du coup ça arrive là-dessus. Alors du coup on voit toutes les caps qui sont là. Alors de base ça marquait du coup Daily Coins, c'est comment on ajoutait. Si vous n'êtes pas connecté du coup faut se connecter. Donc du coup là ça trie de la cape la moins chère. Donc là c'est à 100 Daily Coins, donc ça fait environ bah du coup 1€. Non pas enfin, non du coup ça fait 50 centimes. 50 centimes et 1€ du coup quand on a SMS à cause des taxes. Donc ça fait 50 centimes en vrai.
Et celui-là coûte la Rainbow coûte 1€. Et puis après ça descend. Et la plus chère c'est une cape un peu troll hein. Voilà, enfin. Clairement. Personne va l'acheter celle-là, c'est juste parce que c'est une cape troll. Non, après ce qui va se passer, c'est que dès que vous en achetez une par exemple, ça va marquer choisir ou sélectionner. Alors quand vous en avez plusieurs, ça va faire choisir ou sélectionner. Quand vous en avez seulement une seule, ça va marquer sélectionner. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez cliquer sur acheter, ça va transformer le bouton acheter en choisir. Et puis en fait, grâce à ça, après vous pouvez choisir. Moi j'ai acheté par exemple 4 capes, donc la Nike noire, la Supreme, la Nike V2 noire et la Vape blanc. Donc après, moi j'ai actuellement la Vape blanc, donc c'est que net automatiquement. Je clique dessus, ça fait rien. Hein. Et après, si je clique par exemple sur choisir là, ça va me transformer, ça va mettre sélectionner là et choisir là. Et du coup, ça va mettre la Nike V2 noire in-game pour tout le monde et tout le monde la verra aussi. Ah oui, tout alors, petite question, c'est que tout le monde avec le Daira Mode verra vos cas. Donc voilà, c'est pas seulement pour vous, c'est tout le monde la verra. D'accord, donc, c'est pour ça que c'est intéressant du coup. Et aussi, l'argent des caps pour ceux qui vont payer, bien sûr. Après, c'est pas obligé. On a voulu faire en sorte que ce soit gratuit pour les personnes qui veulent. Qui peuvent, mais bon, ça sera faudra tryhard quand même. Mais ceux qui peuvent payer, en fait, l'argent va pour soutenir la Daira et pour soutenir aussi certains projets qu'on a, des projets à moi et des projets à la Daira qui sont en cours. Et aussi pour payer, donc c'est pas une grosse machine, mais c'est une petite machine qu'on a besoin, qu'on est maintenant obligatoire pour les nouvelles versions du Daira mode. Pour le chat, par exemple, pour les teams, pour les requêtes et tout ça, enfin ouais. On est obligé d'avoir maintenant une machine avec, et puis là, on va en avoir besoin très bientôt. Donc voilà, ça c'était à peu près tout pour les caps.